Vous êtes assis le dos droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré afin d'étirer la nuque. Les activités quotidiennes ont pour seul objet le divertissement de la conscience. La qualité du fruit est liée à la qualité de la graine. Aussi est-il important de porter attention aux bonnes choses. Ce qui est vu est le reflet de la propre conscience de celui qui voit. Ce qui perçoit, c'est-à-dire vous en tant que conscience, est le perçu. L'univers manifesté ne sont pas différents. Ils sont un et uniques. Ce à travers quoi l'espace est créé est en nous. Le mental n'a ni naissance ni mort. Le mental signifie le discours intérieur, les pensées. Le mental devient silencieux quand le flot des mots se tarit. Verbe vient de l'espace. Le mental est formé du verbe et votre comportement est directement lié à votre mental.
faites, vous n'êtes pas celui qui fait. Portez des vêtements, mais vous ne dites pas pour autant « je suis les vêtements ». De la même façon, apprenez à dire « je ne suis pas le corps ». Votre forme est de la nature de l'espace. Quand nous nous réveillons le matin, c'est la conscience originelle qui apparaît en premier, juste un ressenti de notre existence. En quelques secondes, cette conscience graine se déploie et l'espace apparaît. Dans cet espace, tout est vu, y compris notre propre corps. Cela se produit chaque jour depuis notre enfance. Depuis lors, nous nous sommes identifiés à notre corps. Cette impression si profondément ancrée ne peut être rejeté sans la guidance d'un gourou éveillé. Le gourou nous demande d'aller plus profondément en nous, en disant « Je ne suis pas le corps, je suis la conscience dans le corps ».